Prendre de belles photos à son téléphone portable nécessite souvent que l'on demande l'aide d'une autre personne. Ce qui est bien dommage parce que nous dépendons de ces personnes-là. C'est pourquoi j'ai décidé de fabriquer ce dispositif-là qui permet de résoudre ce problème et de changer la donne. Dans cette vidéo, je vous le présente et je vous explique comment il fonctionne. Je vous présente le BTEC 2000. C'est un appareil qui permet de prendre des photos avec son téléphone portable avec l'aide d'une télécommande. Comment ça marche? Il suffit de brancher l'appareil à la prise jack du téléphone, de l'allumer. Ensuite, c'est à vous de jouer. Pour ceux qui veulent reprendre l'expérience, voici la liste des composants qu'il vous faudra et je vous laisse aussi un schéma bien détaillé à la fin de la vidéo. Maintenant, je vous explique comment il fonctionne. Donc pour cela, je vais l'ouvrir et je vais vous expliquer dans le même temps son fonctionnement. Donc je l'ouvre, je retire ce petit carton et voici ce qui se trouve à l'intérieur. Et là, vous dites, merde, c'est quoi cette pagaille? C'est vraiment du fait maison, c'est du fait maison. Ici on retrouve l'interrupteur, le transistor, le relais et voici un condensateur. En bas nous avons la batterie de 12 volts. Ici nous avons une pile de 5 volts. Voilà. Lorsqu'on appuie sur la télécommande, le signal émis est reçu par ce capteur, le TSOP1738. Ce capteur va ensuite envoyer un signal à ce composant qu'on appelle le transistor. Et il va laisser passer un très gros courant pour pouvoir alimenter ce composant qu'on appelle le relais. Et lorsque le relais il est alimenté, il ferme ses contacts. Et lorsqu'il n'est pas alimenté, il ouvre ses contacts. Et là, nous avons une prise de canne à selfie que j'ai relayé au contact du relais. Ainsi, lorsque le relais il est alimenté, il ferme ses contacts, ce qui va permettre d'envoyer une impulsion au téléphone à travers cette prise-là, ce qui va permettre de prendre la photo. On le sait tous, en temps normal, il faut appuyer sur le bouton de la canne à selfie pour prendre la photo. Mais ici, ça se passe électriquement. C'est ce composant-là qui prend cette charge-là. C'est ce composant qui s'occupe de ça. Donc, on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton ici. C'est ce relais qui s'occupe de ça. Et il le fait de manière électrique. C'est-à-dire, quand il reçoit un signal provenant de ce capteur-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à t'abonner également à ma chaîne si tu as aimé. Et surtout, n'hésite pas à partager avec tous tes amis. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.